Alors, quelqu'un m'a posé une question tout à l'heure en disant, il y a des gens, certainement, qui se disent comment des personnes non ou peu recommandables peuvent témoigner sur le frère Shoah, tout ça. Mais, mes amis, c'est biblique. Hein, ceux qui ont, je vais juste lire un passage dans Acte 11, au verset, Acte 11, le verset, n'est-ce pas? 26. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Ce fut à Antioche. Antioche était une ville, donc, de la Syrie, une ville, bien sûr, d'une nation païenne. Et là-bas, on nous dit qu'il y avait le réveil, n'est-ce pas? Il y avait le réveil. Et on nous dit toujours dans Acte 11 là-bas, et que, comment dire, Barnabas avait parti chercher Paul pour l'amener à Antioche. Et ils ont enseigné pendant longtemps là-bas. Il y a eu beaucoup de personnes qui étaient touchées, qui s'étaient converties. Et ces personnes qui étaient disciples de Yeshua marchaient tellement selon la parole que les habitants d'Antioche, c'est-à-dire des païens, vont, n'est-ce pas, dire que ces disciples étaient comme Christ. Donc ce sont les païens qui vont, n'est-ce pas, reconnaître, qui vont reconnaître les fruits de Dieu dans la vie de ses disciples. Donc vous voyez bien que Dieu peut permettre, oui, c'est biblique, à ce que des sorciers même, des inconvertis, ou des personnes peu recommandables, même sur le plan comportemental, sur le plan vestimentaire, Dieu peut permettre à ce que ces personnes témoignent que telle personne est de Dieu. Oui, c'est biblique, on le voit ici. Et d'ailleurs, il y a un autre passage que vous connaissez certainement dans Actes chapitre 16. Regardez bien ce que la parole nous dit au verset 13. Le jour du sabbat, nous sortîmes de la ville et allâmes au lieu où on avait accoutumé de faire la prière, près du fleuve. Et nous, étant assis là, nous parlâmes aux femmes qui étaient assemblées. Et au verset 16, or il arriva que comme nous allions à la prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, apportait un grand profit à ses maîtres, nous rencontra. Et elle se mit à nous suivre, Paul et nous, en criant et disant, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Et il fit cela pendant plusieurs jours. Mais Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir de cette fille. Et il sortit au même instant. Mais les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Et ils les présentèrent aux prêteurs en disant, ces hommes qui sont juifs troublent notre ville. Voyez, donc ici on nous dit qu'il y avait une femme qui avait un esprit de python, c'est-à-dire un esprit de divination, et qui pendant plusieurs jours va suivre Paul et Silas, criant après eux, disant à tout le monde, que ces hommes, Paul et Silas notamment, étaient des serviteurs de Dieu, qu'ils annonçaient la voie du salut. Pourtant, cette femme était possédée. Pourtant, c'était le diable qui contrôlait cette femme via un de ses démons. Et on nous dit que cette femme, le démon parlait en elle, disant que Paul et Silas étaient hommes de Dieu, étaient des serviteurs de Dieu, et qu'ils annonçaient la vérité. Un message salutaire. Vous vous rendez compte, mes amis, dans sa souveraineté, Dieu va permettre à ce qu'une femme possédée par le diable qui est l'ennemi de Dieu, pour confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Donc vous voyez bien que tout genou fléchira, nous dit la Bible, et toute langue confessera que Yeshua est Seigneur. Donc mes amis, ce n'est pas étonnant si un homme mal habillé, un homme qui peut paraître comme un sorcier sataniste, confesse qu'une œuvre qui se fait quelque part est l'œuvre de Dieu. Ça ne doit pas vous étonner, chrétien, si vous êtes dans la Bible. Voyez? Satan lui-même confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Satan. C'est écrit dans la Bible. Donc si les païens ou si les sorciers disent que l'œuvre qui se fait ici, c'est l'œuvre de Dieu, alors où est le problème? Où est le problème? Il faut qu'on soit biblique, il faut qu'on soit enseigné. Ça ne doit pas vous choquer. Si quelqu'un fait une vidéo pour dire ce frère est de Dieu, gloire à Dieu, s'il ne l'est pas, mais que Dieu soit béni.
Il faut qu'on avance, le Seigneur revient. Fini le temps de la distraction, Christ est en train de revenir, nous devons annoncer le message du temps. Voyez mes amis, il y a un autre passage encore, le Seigneur dit quoi? Les prostituées, hein, les aveugles, les pécheurs, ce sont eux qui ont reconnu que Yeshua était de Dieu. Donc c'est biblique que les gens qui paraissent, n'est-ce pas, peu recommandables, qui peuvent, n'est-ce pas, choquer par leur manière de s'habiller, témoignent que Dieu travaille quelque part. Mais cela ne veut pas dire que nous travaillons avec tout ce monde-là, pas du tout. Dieu est libre d'utiliser qui il veut. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Voyez mes amis, que Dieu soit béni. Dieu se sert de n'importe qui pour pouvoir se glorifier, pour glorifier son nom. Voilà, nous avons l'exemple de Acte 11 où les disciples de Yeshua avaient été reconnus et nommés chrétiens, pardon, par les habitants d'Antioche qui, bien sûr, n'étaient pas croyants et des croyants en Yahweh, qui n'étaient pas du tout, mes amis, les disciples de Yeshua. Il y a un autre exemple également dans Actes chapitre 20, Actes chapitre 19, pardon. Un passage que beaucoup connaissent. Dans Actes 19, on nous dit, mes amis, que il y avait un homme qui était possédé d'un esprit impur. Donc on va voir dans Actes 19, 13. Alors quelques exorcistes, juifs ambulants, essayèrent d'invoquer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui étaient possédés d'esprits malins, en disant, nous vous conjurons par ce Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Séva, un homme juif, l'un des principaux prêtres. Mais l'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Donc on voit bien que ici, l'esprit malin dit qu'il connaît Jésus et il sait qui est Paul. Donc c'est normal que même des possédés témoignent que Jésus-Christ est en train d'agir quelque part. Ça peut arriver que n'importe qui, même quelqu'un qui paraît sorcier, sataniste, peut être, mes amis, convaincu que Dieu est en train de travailler quelque part. Ce ne sont pas seulement les bonnes personnes qui peuvent reconnaître l'œuvre du Seigneur. Ce ne sont pas seulement les personnes qui s'habillent proprement. N'importe qui peut reconnaître l'œuvre de Dieu. Et d'ailleurs, les magiciens de Pharaon, quand ils ont essayé d'imiter le quatrième miracle que Moïse avait fait grâce au Saint-Esprit, ils n'ont pas pu et ils ont dit quoi? Ça, c'est le doigt de Dieu. Pourtant, ils étaient magiciens. Ils étaient magiciens. Ils s'habillaient comme des magiciens. Mais ils vont reconnaître que le miracle que Moïse, les miracles, parce qu'il y en avait plusieurs, que Moïse faisait, étaient l'œuvre de Dieu. Donc c'est biblique que des gens aussi témoignent que l'œuvre qui se fait ici et là est l'œuvre de Dieu. Peu importe la manière dont ils sont habillés, peu importe, mes amis, leur comportement, le plus important, comme Paul le disait, Christ n'est pas moins annoncé. Que ce soit par apparence, que ce soit par intérêt, que ce soit faux, selon la vérité, Christ est toujours annoncé. Et cela ne fait pas de nous des collaborateurs de tous ces gens-là. Pas du tout. C'est le mont Carmel, tout le monde reconnaît la grâce de Dieu et les jaloux, bien sûr, ils vont critiquer. C'est normal parce qu'ils ne peuvent pas produire cela. On ne peut critiquer que les choses qu'on ne peut pas produire. Donc que Dieu soit béni, mes amis, soyez encouragés, fortifiés. Dieu bâtit son œuvre, Dieu fait son œuvre et on avance. Mes amis, Yeshua revient. Que toute la gloire lui revienne. Vous avez vu les images du Togo? Yeshua revient. Vous avez vu le nombre de personnes que Dieu touche? Yeshua revient. Vous avez vu l'état du monde actuel? Yeshua revient. Alors, que Dieu soit béni, frère. Toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. On a dit toute langue. Et Jean a vu des gens dans le ciel, sur la terre et sous la terre, toutes les créatures adorant le Seigneur. Et Jean l'a vu dans Apocalypse 4 et 5. Donc, vous voyez bien que, mes amis, quand Dieu se manifeste quelque part, quand Dieu agit, eh bien, tout le monde, y compris les démons, peuvent reconnaître l'œuvre de Dieu. Bien sûr, parce que Dieu est souverain, bien sûr, parce que Dieu est tout-puissant, il est celui qui agit, il est celui qui fait. Ceux qui ont témoigné de Yeshua, ceux qui ont reçu Jésus-Christ, quand il est venu, ce n'était même pas, mes amis, les chefs juifs. Il y avait quelques chefs juifs qui avaient reconnu cela, qui avaient reconnu sa messianité, mais qui n'osaient pas le proclamer ouvertement. Jean 12 le dit. Mais c'était plutôt des étrangers, comme Corneille. Ça, c'était après, bien sûr, comme cet homme, cet officier romain dont le serviteur était paralysé,
comme des prostituées, comme Marie de Magdala qui était possédée de ces démons. Tous ces gens rejetés, tous ces gens mal habillés, tous ces gens déconsidérés, c'était eux qui avaient reconnu la main de Dieu. Que Dieu soit béni, mes amis, quand Dieu réveille son peuple, quand un réveil du Seigneur se déclenche quelque part, souvent ceux qui le reçoivent, l'acceptent, le reconnaissent, ce sont ceux et celles qui sont rejetés. Mais le plus important, mes amis, c'est que le nom de Yeshua soit glorifié, que la vérité soit proclamée. Et nous avons confiance dans le Seigneur, que Dieu continuera à faire son œuvre et il continuera à vous encourager. Soyez fortifiés, mes amis, soyez bénis en Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. À bientôt. Au revoir.